Oui, les studios, je vais tenter de me rapprocher de Tony Nadal. Tony, l'oncle de Rafa, c'est l'oncle de Rafa. Rafa sans le ils sont embêtés dans ce troisième set. Un petit mot sur ce jeune petit à Calabras and Donces. Si, está de Calabras, está de Juve aquí, Angel Iglesias. Está de Blabando, c'est Rafa. Il comprend pas bien pourquoi ce jeu est si difficile contre un joueur qui est classé 700e mondial, le russe Petr Zhangov. Peut-être un petit mot sur le public français, Tony, le public qui vous accueille ici. Comme chez nous, vous n'avez pas la masque, on est la française. Si, la française, c'est pas la brasse. C'est muy bien, c'est muy bien, c'est Rafa. Il dit qu'il adore, il dit que c'est Rafa, il dit que c'est beau que ça brille. On se verra peut-être après le match, Rafa. Merci Tony, merci Rafa, merci l'Espagne, merci gratulations. Grazie, grazie. Esta Rafa, vamos! Vamos! Oui, en direct pour France Télévisions. Oui, Patrick, bonjour Patrick, bonjour Patrick, bonjour les studios, Patrick, bonjour mesdames et messieurs, France Télévisions, les couleurs des émotions et du sport. Je suis actuellement sur le grand cours central du grand cours et dans quelques instants, le grand Peter Todd va passer. Peter, Peter, maybe a few words après cette grande finale, le vainqueur d'aujourd'hui, merci, merci Peter, merci. Maybe a few words, peut-être quelques mots, votre first impression. Oui, c'était un match très difficile. C'est vrai que Nadal a tout de suite bien joué. Il faisait très chaud aujourd'hui, mais c'est la grande chance pour moi de jouer ici sur le superbe central de Roland Garros. On reconnaît bien là, Patrick, tout le fair play de Peter qui le caractérise parce qu'effectivement, il nous dit que even if, même si le perseur était coriace, il a beaucoup de respect pour lui, il est déçu de l'avoir éliminé. Mais la place en finale est une place en finale. Peut-être et quelques mots à sa famille qui est par là, Patrick, c'est qu'est-ce que c'est beau. Peut-être un petit peu, encore un petit peu, quelques mots. Oui, je remercie toute la famille qui me supporte aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance de venir jouer pour la 155e fois, c'est Roland Garros. Et j'espère que la finale sera plus facile pour moi pour espérer remporter la partie. Et oui, il nous parle, qu'est-ce que c'est beau Patrick, il nous parle de sa famille et il nous dit qu'effectivement, comme les rumeurs le confirmaient, sa sœur n'est plus disponible actuellement. Merci, merci beaucoup Peter. Congratulations sous les applaudissements du public, sous les applaudissements. Patrick, je vous rends l'antenne, Patrick, les studios, France Télévisions, le sport, les émotions, France Télévisions, Patrick. Tony, je vais être un petit mot pour la télévision. Je parle très très doucement parce que le match... Oui, Patrick, je vais tenter de m'approcher de Tony Nadal. Tony, peut-être un petit mot pour la télévision française. Tony, Attends, merde, j'ai loupé. Quelle est la fin? Et c'est les... Vamos, vamos! Oui, il dit que sa femme est enceinte, Patrick, ça n'a pas... Non, merde! Tony, un petit mot, Tony, l'oncle de Rafa, l'inculo de Nadal. Allez, putain, je t'ai bien parti! T'es embêté dans ce cinquième set. Rafa, c'est ma nendon de ses. Tony, non, est-ce que... Ah, putain. Attends, attends, mais... Un petit mot, Rafa, sans le drap. Ils ont embêté dans ce troisième... Sa famille, car sa sœur n'est actuellement pas disponible, contrairement aux rumeurs qui cloquent sur Closer. Faut qu'on la refasse. Non, c'était pas mal. C'était pas mal.